Alors j'ai accepté d'être parrain de l'Institut Lyrique tout simplement parce que j'ai rencontré des gens qui font du très haut niveau, des chercheurs, des médecins, des mathématiciens, etc. Et du coup, je me suis senti un peu plus légitime de suivre des gens dans leur domaine qui font du haut niveau, puisque moi j'essaye d'en faire aussi du haut niveau. Et c'était un peu le fil conducteur de toute ma vie, donc je me sens une certaine légitimité, en tout cas de pouvoir aider un tout petit peu à ma façon. Donc aujourd'hui, le bateau Sérénis, il est aux couleurs aussi de Lyrique, et je trouve super important de créer ce lien. Et puis une fois encore, dans l'autre sens aussi, Lyrique m'accompagne, il me soutient, et ça donne encore plus de valeur à mon projet et encore plus de beauté à mes objectifs. Lors de ma visite à l'Institut Lyrique, j'ai découvert et appris que la première cause de mortalité dans le monde était due aux maladies cardiovasculaires. Moi, j'essaie de le faire savoir avec mon bateau, avec un marquage, un SPI, avec une communication autour de la Transat Jacques Vabre sur laquelle à chaque fois je vais parler de ce combat. Et puis également, j'espère, ça vraiment c'est mon souhait, convaincre d'autres skippers, d'autres sportifs de porter ce combat, qui est en plus un combat sur lequel on voit le bout, on sait comment faire pour y arriver, et c'est une cause énorme sur laquelle on ne parle pas beaucoup en réalité.